Alors, pour se détendre, on va se faire un petit jeu, d'accord? Je vous avais déjà parlé du jeu là, les portraits chinois, donc on va essayer. Je vous pose des questions et vous répondez du tac au tac, ok? Des jeux, c'est un petit jeu, c'est bien, mais si loin, enfin, on va voir. D'accord. Allez, si je vous dis quel est votre paysage préféré? L'Esquin, le plateau de Sanchez. L'Ourdios-Icher et la Raillée. Une saison préférée. Le printemps. Le printemps aussi. Un animal. Débordant. D'accord. Généreux. Magnifique. Un animal préféré. Une hirondelle. C'est beau, c'est léger, ça part, ça revient toujours au même endroit. Jean. Le lion. Il est fort. Et il est digne. Très bien. Alors, on va changer un peu votre pire souvenir en commun. Dadan. Non. T'as la glace. Ah oui, le tracteur. Oui, sur la glace, le tracteur qui quitte le chemin et qui glisse, qui glisse, qui glisse, et il s'arrête juste avant de débouler. Bon, tout est possible. Il n'y a que la glace qui manque parce qu'elle a fondu. D'accord. Alors, du coup, quel est votre meilleur souvenir en commun? Ah, quand les enfants nous réunissent et que ça chante beaucoup. Moi, ce n'est pas tout à fait en commun parce qu'ils ne réalisaient pas encore. C'est le soir où j'ai appris qu'il était né. Et plus tard, chaque fois qu'un de mes enfants est né. Ça, c'est très beau. Quel est votre plus grand regret? Pas de rêver. Non, moi non plus. D'éternels optimistes. Votre plus grand souhait, alors? Bon, moi, c'est que les milliardaires incultes qui possèdent aujourd'hui les plus grands moyens d'information et de sondage en France foutent le camp et qu'on les change par un comité de salut public. Très bien. Donc je rebondis sur ce que tu dis. Quel est votre pire défaut dans la nature humaine? La Oui. lâcheté. Ah oui, elle a acheté. Et du coup, la plus belle qualité humaine? La générosité. La générosité, le don de soi. Alors, quand vous vous levez le matin, est-ce que vous avez une devise pour commencer la journée? Ou quelque chose qui vous donne envie de... Être. Ce qui vaut la peine de vivre vaut aussi la peine de mourir. Ah, ça, on est bien d'accord. Alors, je vais manquer d'idées. Si vous étiez un couple célèbre, ça peut être des hommes, des femmes, des politiciens, des chanteuses, des sportifs. De Gaulle et Yvonne, Ah. après l'attentat du Petit Clamart, et Yvonne qui demande, mais où sont les poulets? Et on lui dit, mais ils sont là. Non, mais ce que j'ai acheté pour les ramener à la maison. Moi, je dirais les Sol Guachel, D'accord. championne olympique de ski et championne du monde. C'est très Ah, bonne j'en idée ai deux puisqu'on les autres. connaît. Vas-y. L'une est sur notre liste. Et j'en ai deux aussi. Les frères Boniface, André et Guy, venus de la Chalosse, avec le maillot floqué tricolore, les plus grands trois-quarts centres du monde de rugby. Ça, je te fais confiance. Bon, bah écoutez, c'est bien sympa. Moi, en tout cas, ça, vous me faites penser au frère Kennedy. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de se voir. Mais moi, ce que je vois tout le temps, c'est que vous êtes d'une bienveillance extraordinaire envers tout le monde. Vous comptez vraiment sur l'amitié. Et aujourd'hui, quand même, c'est des qualités qui sont très rares. Et il faut qu'on réussisse quand même à bouger les choses. Et qu'on tenait lumineux, voilà, ça se propage. Je dois reconnaître, Magda, que je
j'ai de l'admiration pour eux aussi, pour leur formidable intelligence et leur complicité. Par contre, qu'est-ce que tu dis, toi? Mais moi, je dis le pouvoir et la fortune en moins. Le pouvoir, c'est pas fait. Mais la après, fortune, nous n'en avons pas besoin, nous l'avons déjà. C'est ça. Bon, après, ils ont une qualité quand même, parce qu'ils ont toujours défendu les droits civiques comme vous, donc ça, c'est un joli point commun. Et ils ont quand même empêché la guerre nucléaire, ce qui n'est pas rien, quoi. Oui, donc, ils ont défendu les droits civiques, ils ont défendu les droits des peuples, ils ont défendu les droits des Noirs, et ils ont certainement évité la guerre nucléaire. Bon, bah écoutez, mais maintenant qu'on a un peu ri, on va repartir à la besogne. Merci. On pourrait continuer.